Et toi, t'aimes ça faire des maquillages de cosplay mais t'es écœuré de ressembler à un Picasso rendu à la fin de la journée? T'aimes ça faire des maquillages de zombies mais tu veux pas que ton maquillage se décompose pendant la journée pour autant? Eh bien, ne cherche plus! J'ai la réponse à tous tes problèmes et plus encore! Bonjour à tous, ici Mighty J Cosplay, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur comment faire tenir un maquillage de cosplay pendant toute la journée. Ma vidéo va être découpée en trois sections. La première, c'est comment faire tenir des maquillages beauté ou du body painting. La deuxième, des petits trucs pour faire tenir les maquillages d'effets spéciaux. Et la troisième section, c'est qu'est-ce que j'amène avec moi lors des conventions pour être capable de faire des retouches pendant la journée. Avant de commencer, je vous encourage à donner un like à mes vidéos, à souscrire à ma chaîne YouTube qui est encore toute naissante. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sur Mighty J Cosplay. Vous pourrez voir mon maquillage en action. Et ceci étant dit, commençons avec la vidéo. Donc, comme dit Mario, here we go! Donc, pour les maquillages beauté ou le body painting, honnêtement, c'est pas tant différent que de faire des armures en forme. Il y a le même genre d'étapes qu'on fait. Faut avoir un primer, après s'appliquer le produit, et ensuite sceller le tout. Une des bonnes techniques qui est utilisée, surtout pour les maquillages beauté, c'est la technique du sandwich. C'est-à-dire, on y va avec 4 couches. La première qui est d'utiliser un primer. Ensuite, d'appliquer le produit en tant que tel, ça peut être du body paint, du fond de teint. Ensuite, on y va avec la poudre et on finit avec le setting spray. Donc là-dessus, on va commencer par expliquer les primers. Donc tout d'abord, premier point, à quoi ça sert un primer? Un primer, ça va servir entre autres à faire adhérer le maquillage, à uniformiser la surface de votre peau pour qu'elle soit beaucoup plus smooth. Et généralement, ils vont aussi servir à contrôler la production d'huile que votre peau va faire pendant la journée. Généralement, les primers, c'est très connu et utilisé pour les maquillages beauté, mais on peut aussi les utiliser si vous faites des maquillages de body painting. Au niveau du contrôle de l'huile, qu'est-ce que ça fait? Par exemple, pour les maquillages beauté, vous appliquez du fond de teint. Si vous avez une peau qui est très sec, votre maquillage va sécher pendant la journée et il va devenir beaucoup plus cassant, ce qui peut faire des fausses rides autour des yeux, autour de la bouche, des fois autour du nez. Si vous avez une peau qui est grasse et qu'il n'y a pas de rien pour contrôler ça, ce que ça peut faire, c'est que votre maquillage ne va jamais devenir totalement sec. Il peut devenir très réfléchissant. Généralement, ça va être sur le front, le nez, ce qu'on appelle la zone T, des fois un peu aussi sur les pommettes des joues. Des fois aussi, ça peut faire que votre maquillage va se déplacer un peu plus, ce qui va faire qu'il va y avoir des zones où vous en aurez moins et d'autres où vous allez en avoir plus. Puis encore là, ça peut faire des faux rides. Donc là-dessus, je vais vous parler des principaux types de primers qui sont utilisés. Tous ceux-là que je vais montrer dans la vidéo aujourd'hui, c'est tous des formats mini, c'est ça que j'utilise, d'environ 15 ml. Vous pouvez tous les trouver pour 20$ ou environ chez Sephora, dans la section qui est près des caisses. Je tiens à préciser, je ne suis pas commandité, je vais juste expliquer c'est quoi les produits que moi j'utilise. Donc, le premier type de primer, c'est les primers qui sont hydratants. Donc, c'est des primers qui sont bons si vous avez une peau sec. Moi, j'utilise le Step One de Makeup Forever. Il y en existe 3 versions. Il y a la version hydratante qui est la bouteille blanche. La version hydratante, je dois l'avouer, l'utiliser aussi beaucoup pour quand je fais un body paint que je vais garder pendant toute la journée. Le body paint a tendance à devenir très sec ou avoir un feeling qui est très sec sur la peau. Donc, je vais utiliser un primer hydratant pour compenser un peu. Il y a les primers mattifiants. Encore là, vous pouvez trouver le Step One de Makeup Forever, qui est la bouteille gris foncé, qui lui va aider à contrôler si vous avez une peau grasse. Encore là, des fois vous pouvez avoir une peau mixte, vous pouvez avoir une peau qui est grasse sur le front, puis dans le nez, le menton, mais avoir une peau qui est très sec sur les joues. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une combinaison des deux, utiliser du mattifiant dans zone T, puis du hydratant sur le reste. Il existe aussi des primers lissants. Encore là, vous avez le Step One Makeup Forever, la bouteille qui est gris moyen. Sinon, un des plus connus que j'utilise beaucoup, c'est le Smashbox Photo Finish. C'est un des premiers primers à avoir eu un énorme succès au début des années 2000. C'est le meilleur vendeur de la compagnie. Je tiens juste à préciser aussi, parlant du prix, ça veut dire « Ouais, mais c'est poche, acheter des petits formats, ça revient plus cher à... » Ça revient plus cher de 1000 litres que d'acheter la grosse bouteille. Ben, pour les produits que je viens de vous parler, je sais pas pourquoi, mais le 15 ml est à 20$, puis le 30 ml est à genre 45$. Ok, je comprends plus ou moins, mais je m'en plaindrai pas.
L'avantage aussi des petits formats, c'est que si vous faites un peu comme moi, un maquillage ou deux par semaine, ben malgré ça, les cosmétiques ont des dates d'expiration, fait que je t'assurerai de passer au travers avant que ça passe date. Sinon aussi, un autre petit conseil là-dessus, c'est très important, c'est pas juste de prendre un primer, mais aussi, entre autres, si vous utilisez du fond de teint, des choses du genre, de regarder, il y a des fonds de teint qui sont conçus pour des peaux secs, il y a des fonds de teint qui sont conçus pour des peaux grasses. Donc, au pire, faites juste poser des questions avant de l'acheter. C'est sûr, le primer va aider, mais par exemple, si vous appliquez un fond de teint pour peau grasse sur une peau sec, c'est sûr que vous n'aurez pas les meilleurs résultats, même si vous appliquez un primer. Il y a certains fonds de teint aussi qui sont un peu plus génériques, qui vont pouvoir marcher un peu plus avec tous les types de peau, mais c'est quand même bon de savoir qu'il y a ces spécificités-là. Je tiens à préciser, il y a plein d'autres types de primers aussi qui sont sur le marché. Il y a ce qu'on appelle des primers illuminateurs, mais ça peut être bon si vous utilisez un maquillage qui est plus réfléchissant, ça va réfléchir la lumière. Mais généralement, si vous faites un maquillage de cosplay en utilisant du fond de teint couvrance totale ou encore en utilisant du body paint, ben l'effet illuminateur, vous allez complètement le cacher parce que ça va être complètement opaque par-dessus. Donc ça, c'est les principaux types que j'utilise. Moi, si je fais des photos, si je fais un maquillage juste pour prendre des photos, je vais utiliser le primer lissant. Le but d'un primer lissant aussi, c'est de réduire généralement l'apparence des pores. Moi, je vais utiliser ça pour un maquillage que je fais juste pour prendre une photo puis que j'enlève après. Sinon, moi, personnellement, pour un maquillage qui dure la journée, j'ai tendance à prendre un primer qui est hydratant. Donc, après ça, vous appliquez votre maquillage, que ça soit fond de teint, body paint, whatever. Et ensuite, on va passer à l'étape de la poudre. Donc, ensuite, vient l'étape d'appliquer la poudre. La poudre, ça va servir à sceller le maquillage, à enlever l'effet collant, surtout du maquillage, autant le fond de teint que le body painting. Moi, personnellement, j'avais tendance à le faire pour le maquillage beauté, mais pour le body painting, un peu plus à l'oublier, à ne pas penser que c'était nécessaire. À cette heure, je le fais, ça aide entre autres beaucoup si je fais des ombrages avec des fards à paupières. Comme ça, ça va éviter que quand j'applique le pinceau, ça devienne très pigmenté à un endroit, puis qu'après ça, j'ai de la misère à l'étendre pour faire des dégradés plus subtils. En appliquant une poudre avant, ça va saturer le collant de la peau, puis après ça, ça va me permettre de beaucoup plus faire glisser et étendre les fards à paupières. Donc, pour appliquer la poudre, généralement, il y a deux principaux outils qui sont utilisés. Vous pouvez le faire avec une grosse brosse fluffy comme ça. Ça, c'est une brosse d'à peu près 10$ chez Elf, que j'ai acheté chez Walmart. Sinon, l'autre outil généralement utilisé, c'est une houppette, ou en anglais, un velour puff. Donc, vous le trempez dans votre poudre. Après ça, vous tapotez votre visage à grandeur. Au niveau des poudres, je dirais qu'il y a deux principaux types. Il y a les poudres qui sont il y a les poudres qui sont un peu plus grossières, comme par exemple des poudres matifiantes, qui généralement vont aussi avoir un peu plus la couleur de la peau. Il va avoir une certaine teinte. Le but, c'est vraiment davantage d'uniformiser ou d'harmoniser la couleur de la peau, en général pour la couleur. Donc, moi, une de ceux-là que j'utilise beaucoup, c'est la Rimmel Stay Matte, comme vous avez pu voir dans mon tutoriel sur les sourcils, à 10$ chez Walmart. Généralement, pas mal toutes les poudres viennent en format de 10 grammes. Sinon, si vous voulez faire des maquillages beauté et que vous êtes prêt à mettre plus de budget, la plus connue et une des plus utilisées, c'est la poudre Laura Mercier, la poudre translucide, la Translucent Powder. En tant que tel, ça c'est un format de 30 grammes qui est 50$ chez Sephora. Vous allez dire, c'est très cher. Oui, en général, les poudres qui sont vendues chez Sephora sont beaucoup plus chères. Cependant, malgré le prix, je tiens juste à préciser, la majorité des poudres de d'autres compagnies chez Sephora vont être à 40$ pour le 10 grammes. Laura Mercier est à 50$ pour 30 grammes. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix pour une poudre de haut calibre, de haute qualité. Je dois avouer, cette poudre-là, je vais vraiment juste l'utiliser quand je fais des maquillages beauté. Sinon, pour des maquillages de body painting, c'est peut-être un peu plus du gaspillage d'argent. Je tiens à préciser les poudres aussi, justement en parlant du body painting, les marques de body painting, comme par exemple Mehron, font aussi des poudres que vous pouvez trouver dans les mêmes magasins qui les vendent. Je dois avouer, je ne l'ai pas essayé, mais l'effet doit être sensiblement pareil. Sinon, il existe aussi des poudres, ce qu'on appelle de finition. Par exemple, ici, j'ai la L'Oréal Infaillible.
Les poutres de finition sont généralement blanches ou translucides et sont très 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 fines. Donc c'est pas une poutre qui va servir vraiment à uniformiser autant, mais c'est vraiment pour enlever le collant. Aussi des fois, c'est que les poutres qui sont plus grosses, c'est moins adapté pour les personnes qui ont la peau sec. Donc, entre autres, les poutres plus grosses vont aider à contrôler l'huile. Donc, quelqu'un qui a une peau plus sec, ou si vous voulez être sûr que ça change pas la couleur ou que ça donne une teinte à votre body painting, à ce moment-là, je vais utiliser une poudre de finition. Donc, je peux vous montrer les trois poudres comparées une à l'autre. Comme vous pouvez voir, la poudre L'Oréal Infaillible, c'est une poudre qui est blanche, qui est très très fine. Les deux autres poudres à côté sont des poudres qui sont teintées et qui sont beaucoup plus grossières. Donc, le but de la poudre, c'est vraiment d'enlever le collant. Et finalement, la dernière étape, c'est d'appliquer un scellant, un setting spray. Donc, pour finir, on y va avec un fixatif, un setting spray. Moi, personnellement, lui que j'utilise encore un peu dans la même chose, dans la catégorie des produits à 20$ près des caisses chez Sephora, j'utilise le Urban Decay All Nighter. C'est le spray qui vient dans la bouteille mauve. Donc, généralement, je vais le tenir à environ 2 pieds ou 60 cm de mon visage. Je vais donner 2-3 jets. Le but du fixatif, ça va être vraiment de sceller votre maquillage, de faire vraiment plus comme un film. Ça va aider à le protéger un peu du vent, de la pluie, pour éviter bon, que ça l'humidifie ou que ça l'assèche trop. Mais là, j'entends un peu dire « Ouais, mais là, c'est bien beau, là, tu parles de plein de produits, mais y a-tu des affaires un peu plus polyvalentes? » Dans le sens, je veux pas commencer à acheter pour un primer, un setting spray, ça commence à faire beaucoup. Y a-tu quelque chose de plus versatile? Sinon, un autre produit que je recommande, c'est le MAC Fix Plus de MAC. Ici, j'ai la version de voyage qui est à 15$ disponible au MAC Store. Comme le nom, vous pouvez lire sa bouteille, c'est écrit Prep and Prime. Donc, vous pouvez l'utiliser comme primer. Il n'y aura pas nécessairement autant de contrôle d'huile pour la peau, mais néanmoins, ça va aider à ce que votre maquillage tienne davantage. Et après ça, vous pouvez l'utiliser aussi comme setting spray. Donc, pour 15$, vous allez avoir un produit qui sert à faire les deux. Attends, quand tu parles de MAC et de MAC Store, là, est-ce que ça fait référence à Apple? Parce que moi, je connais rien dans le maquillage, puis t'es-tu en train de me dire que je trouverais des cosmétiques au Apple Store? Non. C'est pas Steve Jobs qui s'est levé un matin et qui s'est dit « Oh, après avoir conquéri le marché de l'informatique, on va conquérir les cosmétiques. On va lancer le Eye Lipstick, le Eye Foundation et l'incontournable Eyeshadow. » Non, ça n'a rien à voir. MAC, le MAC Store, c'est un magasin qui vend juste des produits MAC. Vous pouvez trouver les produits MAC aussi des fois dans certaines grandes surfaces, dans une section qui est comme un peu à part, comme chez l'Abbé. Ou sinon, vous pouvez toujours trouver ça en ligne aussi. Je vous recommande, sérieusement, si vous avez juste un produit à acheter parmi toute la gamme que je viens de parler là, ça serait probablement lui. Vous s'en servez comme primer, comme setting spray. Sinon, je vous recommande une poudre à peu près 10$ que vous pouvez trouver en pharmacie, comme la L'Oréal Infaillible ou la Rimmel Staymate. Donc, avec ces produits-là, vous allez être capable de faire tenir votre maquillage pendant toute la journée, autant des maquillages beauté que du body paint. Pour les maquillages d'effets spéciaux, il y a certaines techniques là-dedans qui s'appliquent aussi, comme entre autres utiliser les poudres par-dessus du latex ou de la cire pour enlever le collant. Mais généralement, le problème avec le maquillage d'effets spéciaux, c'est beaucoup plus de le faire tenir, de faire tenir les prothèses, le latex, la cire, ces choses-là. Donc, passons maintenant à la prochaine section qui est les maquillages d'effets spéciaux. Donc, la deuxième partie, c'est sur comment faire tenir du maquillage d'effets spéciaux. Je tiens à préciser en anglais que le but, c'est pas de faire un tutoriel sur comment appliquer du maquillage d'effets spéciaux, mais davantage comment en maximiser la tenue pendant la journée. Donc là-dessus, ça pourrait être complètement le sujet d'une autre vidéo. Puis le but, c'est plus de partager les petits trucs que j'ai développés avec le temps pour faire tenir ça plus longtemps. Donc premièrement, c'est toujours d'avoir des bons outils. On va utiliser des outils qui sont davantage jetables parce que tout ce qui est matériel d'effets spéciaux, ça ruine pas mal n'importe quoi que vous allez utiliser. Donc au niveau des broches, je vais utiliser des petites brosses de fard à paupières de Elf qui sont à peu près 3$ chez Walmart. À ce prix-là, ça me dérange pas si les poils deviennent toutes collées avec du latex ou de la colle. Après ça, un coup que vous les avez trempés dans ces produits-là, vous ne serez pas capable de les réutiliser pour faire du maquillage.
Sinon, je vais utiliser des petits triangles à maquillage qui viennent en paquet d'environ 32 pour 3$ ou des choses similaires. Encore là, vous pouvez trouver dans le rayon des cosmétiques ou dans le rayon de la pharmacie. Donc, y aller dans le fond avec des produits jetables. Donc, là-dessus, les adhésifs, généralement les deux plus connus, c'est le Spirit Gum et le Prozade. Le Spirit Gum est une substance qui est généralement plus liquoreuse, sirupeuse, qui est généralement jaune. Et le Prozade, dont j'en ai une bouteille ici, c'est un adhésif médical. La texture en tant que telle est beaucoup plus liquide, je dirais, c'est très semblable à du lait écrémé. Le problème que vous pouvez avoir, c'est que si par exemple vous l'appliquez sur le bras, c'est pas si pire. Vous pouvez tenir votre bras à l'horizontale le temps que ça sèche et tout ça. Mais si par exemple vous voulez le faire tenir dans le visage, entre autres avec le Prozade qui est très liquide, par exemple si vous en appliquez sur le côté ici, au-dessus des oreilles, c'est à vertical. Donc ce qui va arriver, c'est que ça va couler. Et vous allez vous ramasser avec, premièrement, des fois vous allez devoir l'enlever, vous allez enlever de votre maquillage que vous avez déjà fait. Ou sinon, ben, c'est que vous n'aurez pas assez d'adhésif à l'endroit désiré pour faire tenir votre prothèse. Le truc là-dedans, premièrement, le Prozade, il existe plusieurs formes, il en existe aussi des formes en crème. J'en ai pas présentement, mais c'est généralement le genre de produit qui va aider davantage à tenir sur une surface verticale. Sinon, comme bien d'autres choses, vous pouvez le faire en plus qu'une couche. Et c'est quelque chose que j'avais pas nécessairement pensé faire avec des adhésifs. Donc, je vais appliquer une première couche, je vais faire sécher avec un séchoir, et après ça, je vais appliquer une deuxième couche. Et oui, il va y avoir encore des bouts qui vont couler, mais la première couche va aider à mieux faire tenir la deuxième couche, et au final, à m'assurer que j'ai quand même assez de colle puis assez épais, que ce soit assez collant, pour faire tenir une prothèse. Après ça, quand vient le temps d'utiliser par exemple de la cire c'est quelque chose qui est quand même de très fragile. Moi personnellement, je me suis déjà fait dire par certains experts ou des personnes qui ont plus d'expérience que moi dans le domaine que la cire, généralement, tu utilises juste ça pour faire des photos. Tu n'utilises pas ça pour aller par exemple dans une mascarade ou dans un événement de cosplay. Personnellement, j'ai utilisé des prothèses en cire que j'avais faites pour aller à la marche des zombies et ça l'a quand même tenu toute la journée. Le truc là-dedans, c'est vous appliquez votre cire, comme par exemple ça peut être sur le bras, et un coup que vous appliquez d'abord une couche d'adhésif, après ça, vous mettez votre cire, et après ça, vous allez reprendre, généralement j'aime bien le petit triangle à maquillage, et je vais mettre une couche de latex par-dessus à grandeur. Le latex va vraiment permettre de sceller la cire, ça va le protéger contre les éléments extérieurs, et aussi si jamais vous l'accrochez, ben la cire va pas avoir tendance à bouger. Faites aussi un peu des tests, mais généralement le latex, si vous en mettez une ou deux couches, c'est pas assez épais pour cacher la couleur du travail que vous avez fait. Et je parle pour la cire, mais par exemple, il faut avoir mis de la cire, il faut avoir mis, par exemple, du faux sang, de la blood paste, des trucs dans le genre, et le latex va aider à faire tenir ça aussi. Le gros problème, généralement, avec les prothèses, c'est pas tant le matériel utilisé que l'endroit où vous voulez appliquer la prothèse. Les endroits qui sont le plus difficiles à faire tenir, c'est tous les endroits qui sont mobiles, donc sur le visage. La lèvre inférieure est très difficile à faire tenir des prothèses. Généralement, le haut des joues, le côté ici proche des yeux. Le front peut l'être aussi si vous avez vraiment tendance à bouger beaucoup vos sourcils pendant la journée. Sinon, ben les mains, le dos des mains, même si vous faites attention, vous allez vouloir aller aux toilettes puis vous lavez les mains. Même si vous ne mettez pas le dessus des mains en dessous du robinet, il va y avoir quand même de l'eau. Sinon, juste le fait de mettre vos mains dans vos poches, ça va accrocher, ça va être plus difficile à faire tenir. Un petit truc que j'ai développé, comme entre autres, si je me mets des fausses dents par-dessus la lèvre inférieure, c'est d'avoir un support. Ça peut être aussi utilisé à d'autres endroits. Donc, par exemple, je vais prendre un papier mouchoir, je vais l'imbiber de latex pour qu'il devienne davantage solide, et je vais l'appliquer comme, par exemple, comme ça, et par-dessus les dents. Ce qui va faire en sorte que mes dents, si jamais ils tombent, ben, il y a un petit quelque chose qui permet de les retenir. Donc, ils ne tomberont pas nécessairement directement à terre. Après ça, l'autre chose, c'est... Après ça, si on veut mettre du maquillage par-dessus les prothèses. Première chose, tous les maquillages à l'eau, ça tient à peu près pas par-dessus du latex, entre autres. Il faut comprendre que le latex va vous créer une surface qui est complètement lisse, et donc, il n'y aura pas de pores ou de moindrement de texture sur laquelle le maquillage va pouvoir s'accrocher. Donc, un premier truc là-dessus, c'est sûr, c'est d'utiliser du maquillage en crème. Honnêtement, c'est pas mal juste que j'utilise par-dessus du latex. Mais même là, pour maximiser la tenue, il y a d'autres petits trucs.
Le premier, c'est aussi pour enlever l'effet luisant qu'il va avoir avec le latex, puis ça a un effet plus naturel. Je vais utiliser tout simplement des essuie-tout qui sont texturés. Et par exemple, si je l'ai mis sur le bras, je vais tapoter comme ça pour donner davantage de texture. Sinon, vous pouvez utiliser aussi, comme ici, des petites éponges mouchetées qui, eux autres aussi, vont permettre de faire de la texture. Personnellement, j'aime mieux les essuie-tout parce que, hey, c'est parfaitement jetable, puis ça coûte vraiment pas cher, puis ça fait un job. Sinon aussi, comme je l'ai dit un peu auparavant, d'appliquer de la poudre. Honnêtement, quand vient le temps d'appliquer de la poudre pour sceller le latex, à ce moment-là, vous pouvez utiliser pas mal n'importe quelle poudre. Moi, personnellement, j'utilise une bonne vieille poudre à pied. C'est sûr, je vais toujours faire attention pour pas en mettre non plus à l'excès et que ça vienne complètement changer la couleur de mon maquillage. Mais néanmoins, c'est assez. Puis ça aussi, ça va aider à donner plus de texture pour que votre maquillage puisse s'agripper. Sinon, il y a aussi certains produits qui vont aider. Entre autres, vous pouvez avoir le Castor Seal, qui est une huile, je sais pas si on peut bien le voir, mais qui est une huile que vous allez appliquer. Généralement, je l'applique avec un petit triangle à maquillage aussi. Vous n'avez pas besoin d'en mettre une très très grosse couche, et vous pouvez le mettre par-dessus, ça va aider à faire coller davantage, ça va sécher, puis ça va aider à vraiment faire tenir votre maquillage. Donc, en général, les maquillages en crème, le fond de teint aussi peut très bien tenir par-dessus du latex. Entre autres, c'est utile si vous voulez faire que ça ait un look plus naturel, blending the edges, faire que les arêtes, les extrémités de votre maquillage se fondent plus naturellement avec le reste de votre peau, puis que ce soit plus crédible. Donc, encore là, si vous utilisez du fond de teint, plus vous allez avoir des fonds de teint qui sont crémeux, mieux ça va tenir et vous allez avoir un meilleur effet et une meilleure couvrance. Donc, ceci étant dit, on est prêt pour la dernière section qui est « Qu'est-ce que j'amène quand je vais en convention pour être capable de faire des retouches pendant la journée? » Et on est maintenant rendu à la dernière partie. Oui! Comment faire tenir son maquillage de cosplay pendant la journée? Donc, en tant que tel, l'expérience sur laquelle je vais surtout me baser, ça a été le Comic-Con de Québec à l'automne 2018. J'étais déguisé en Phoenix, God of Deception du jeu Magic the Gathering. J'avais mon costume, mais surtout un maquillage qui me couvrait complètement le visage, le derrière de la tête aussi. J'avais tous les bras qui étaient maquillés à grandeur des deux côtés. Et j'avais des prothèses d'ailes du masque qui tenait au-dessus de mes oreilles. Donc, parmi les produits que j'ai utilisés, le premier que je veux parler, c'est les crèmes Aqua XL de Makeup Forever. En tant que tel, ils viennent dans une différente variété de couleurs. Et la ligne Aqua XL de Makeup Forever a été conçue pour du maquillage de nageuse synchronisée. Donc, c'est vraiment des produits qui sont résistants à l'eau et que ça prend pas mal un démaquillant ou ben de la friction pour être capable de les enlever. En tant que tel, je l'avais appliqué sur mes lèvres. Étant donné que, premièrement, c'est déjà difficile de trouver un rouge à lèvres jaune et encore plus de trouver un rouge à lèvres jaune qui tient. Et je l'avais utilisé aussi sur mes doigts, sur le dessus des mains. Je dois avouer que sur le dessus des mains, il y en a quand même une bonne partie qui a parti, mais ça restait néanmoins assez jaune pour dire que j'avais encore les doigts maquillés. C'est principalement la friction de me mettre les mains dans les poches pour prendre mon sel ou mon portefeuille ou le fait aussi d'aller aux toilettes me laver les mains qui a fait partir un peu du maquillage. En tant que tel, moi ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec le format, c'est très facile à glisser dans ses poches et de faire des retouches pendant la journée. Je dois avouer que sur les lèvres, c'était un peu sec. C'est surtout d'abord et avant tout un fard à paupières, mais c'est un produit qui est terriblement polyvalent. Le gros défaut de ce produit-là, c'est le prix. Ça, c'est une bouteille d'un tube de 4,8 ml qui se vend environ 32$ chez Sephora. Donc oui, c'est très dispendieux et moi personnellement, je vais l'utiliser pour faire tenir mon maquillage pendant la journée, mais j'utiliserai pas ça pour faire un maquillage que je vais enlever tout de suite après avoir pris des photos. Donc, mais pour aller en convention, c'est vraiment un plus. Ensuite, j'utilise beaucoup des fards à paupières pour faire des retouches. C'est sûr, j'amènerai pas dans une convention des maquillages activés à l'eau. C'est juste pas pratique. Donc, je vais tout simplement faire des retouches par-dessus en utilisant des fards à paupières. Encore là, j'utilise des fards à paupières de Makeup Forever. Donc, généralement, ils viennent dans des petits coffrets comme ça, magnétiques. On peut, comme là ici, j'ai 6 couleurs. Et en tant que tel, comment ça fonctionne, c'est que chacune des petites palettes, des fards à paupières, vient dans un petit étui qui est magnétique, et le case ici est aussi magnétique. Généralement, comment ça fonctionne, comme entre autres ce kit-là, c'est les fards à paupières sont 22$ chaque, ou 6 pour environ 75$. Oui, c'est très cher. Mais le gros avantage, c'est que
j'en ai plus qu'un. Et quand vient le temps de faire une convention, ben, je vais prendre les 6 couleurs que j'ai le plus besoin et je vais toutes les mettre dans le même étui. Ce qui va faire que c'est très facile et surtout, à l'épaisseur que ça a, ça se traîne très bien dans les poches ou dans un sac. Là, je sais, il y en a qui vont dire « Ouais, mais là, t'as-tu des options moins chères? » Parce que moi, je commence à faire de ça, puis c'est pas vrai que je vais dépenser pour 3-4 palettes à 75$ chaque. Sinon, une autre palette que je trouve qui est très bonne et utile, c'est la palette NYX Ultimate, qui est encore là, pas super épais, qui peut très bien se transporter. Et dedans, vous avez pas mal toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, vous avez 16 couleurs. Et cette palette-là, vous pouvez la trouver en pharmacie au Québec. Ça va être chez Brunet ou chez Jean Coutu. Généralement, dans pas mal toutes les pharmacies que j'ai été, ils la vendent. Et c'est seulement pour 15$. Donc, en tant que tel, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et le fait que c'est une palette qui offre beaucoup de couleurs, mais que l'étui n'est pas très gros, ça se transporte très, très bien dans les poches. C'est bien beau de parler de maquillage, mais après ça, c'est aussi de parler de comment l'appliquer. Généralement, ce que je vais faire, c'est qu'il y a des kits de pinceaux qui sont aussi conçus pour le voyage pour être transporté. Donc moi, ce que j'avais, c'est un kit de brosse de chez Sephora. Donc j'ai 3 brosses davantage pour ici, 3 brosses qui sont davantage pour les 2 brosses qui sont pour les yeux, une pour le cache-cerne et 3 brosses qui sont davantage pour le visage. J'ai pas amené ce gros étui-là en cuir avec moi. J'ai pris les brosses, j'ai mis ça dans un petit baguise en plastique et je suis reparti avec ça. Donc, le kit en tant que tel, c'était à 50$ chez Sephora. Je tiens à préciser, il y a d'autres ensembles aussi qui sont plus petits. Entre autres, souvent, des kits de pinceaux pour les yeux, vous êtes capable d'en trouver qui sont en format miniature aussi pour un peu moins cher. Moi, c'est ce que j'ai utilisé. Ce que j'aimais avec celui-là, c'est que vous avez des brosses qui couvrent l'ensemble. Donc, pour les yeux, pour les joues, pour le fond de teint et tout ça. Donc, vous avez toutes les brosses que vous avez besoin. Vous voulez un petit secret? Si vous voulez des ensembles de brosses de voyage pour pas trop cher, le temps des fêtes est un des meilleurs moments pour. Généralement, il y a beaucoup de compagnies de cosmétiques, autant chez Sephora qu'au Mac Store ou des fois même au Sans Pharmacie, qui vont faire des petits ensembles de voyage à peu près dans ce format-là, qui vont être en spécial pour le temps des fêtes et ils vont être encore plus en spécial après le temps des fêtes pour le stock qui n'ont pas été capables de vendre. Aussi, ces produits-là du temps des fêtes qui sont pas capables de vendre, vous pouvez les trouver dans des magasins où il écoule des surplus, comme par exemple chez Winners ou chez Marshall. Donc, cependant, on peut jamais garantir ce qu'on trouve dans ces magasins-là, mais garder un œil ouvert, ça peut être une bonne façon d'obtenir un kit similaire à ça pour une fraction du prix. Sinon, j'avais des prothèses au-dessus des oreilles, donc c'est sûr que j'allais pas amener une bouteille de Prozade puis un séchoir à cheveux pour faire des retouches. Donc à ce moment-là, c'est là que ça devient plus avantageux d'utiliser du Spirit Gum. Et j'ai trouvé à l'imaginaire, il y a des comment c'est cute, des petits bébés bouteilles, oui! Donc j'ai ici la petite bouteille de Spirit Gum et comme vous pouvez le voir, elle vient avec un petit pinceau pour permettre de l'appliquer. Et aussi une bouteille de Spirit Gum Remover, donc du dissolvant. Donc, ces deux petites bouteilles-là, je les ai achetées à l'imaginaire, c'était 5$. Donc, en tant que tel, c'est quelque chose qui se transporte très bien. Malgré tout, je les transporte quand même dans un petit sac en plastique au cas qu'il y aurait des fuites. Mais néanmoins, c'est comme ça que ça peut permettre de faire des retouches pendant la journée pour tout ce qui est les prothèses. Si vous sentez, entre autres, près du visage, les joues et tout ça, que vos prothèses sont plus lousses, donc je vais réutiliser du Spirit Gum. Généralement, on va tapoter pour l'activer avec la chaleur du corps, et un coup qui est rendu collant, à ce moment-là, on sait qu'on peut réappliquer la prothèse par-dessus. Donc, en gros, c'est ça le matériel que j'avais apporté lors du Comic-Con. Comme j'ai dit, je suggère certaines marques et tout ça, généralement parce que j'y trouve des raisons davantage pratiques, mais vous pouvez toujours faire votre magasinage, trouver d'autres produits qui sont similaires, et qui vont faire tout aussi bien le travail. Et me revoilà donc avec, cette fois-ci, du maquillage dans le visage. Donc, aussi bien mettre ça en pratique, j'ai utilisé la technique du sandwich tel que je viens de vous décrire. J'ai décidé de faire un personnage qui est un Stallforce, un des méchants, un des ennemis communs dans le jeu The Legend of Zelda Ocarina of Time. Et donc, j'espère que vous pouvez mettre les techniques que je viens de vous montrer en application. En voici un exemple. Donc, j'espère que vous avez aimé beaucoup le tutoriel. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez laisser vos questions dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous passerez à ça et que vous regarderez la vidéo le prochain coup que vous allez à une convention. Donc là-dessus, bonne convention, bon maquillage et à la prochaine!